Amen, alléluia. Amen, alléluia. Amen. 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 Ça prend. Mm-hmm. T'as dit, c'est pour que ça soit clair. Il faut que tu sois. Si on te voit. Oui, oui. Parce que regarde, par exemple, quand je fais ça. Attends, attends. Est-ce que ça va comme ça? Oui, c'est bon. C'est bon. C'est en tout cas. Donc, je veux rester ici et prendre. Oui. Je peux parler? Je peux parler? Je peux parler? Oui, c'est pour introduire. Oui, oui. Frères et sœurs, nous sommes à Paris avec notre frère bien-aimé Jacques-Philippe, qui, ayant entendu la sagesse de Salomon comme la reine de Séba ce jour-là, il a compris que la vie était donnée que par la bouche et la sagesse de Salomon. Aujourd'hui, cette parole s'accomplit et va s'accomplir. Notre frère a ainsi quitté, laissé sa famille, parcouru des kilomètres et des kilomètres, parce que avant il était aussi serviteur. C'était comme Nicodème. Nicodème qui était docteur de la loi à l'époque, mais ayant entendu le Seigneur Jésus-Christ parler, il est venu lui la nuit pour le voir et a déclaré que nous savons. C'est-à-dire que lui et les autres qui ne sont pas venus, que Jésus-Christ était effectivement le Fils de Dieu et il était Dieu. Aujourd'hui, notre frère qui, pasteur jadis, a compris que non, il n'était que le Nicodème de notre temps, du temps présent. Alors aujourd'hui, il est venu vers l'envoyé pour être baptisé, pour ainsi entrer dans le royaume. Nous bénissons le Seigneur Jésus-Christ pour cette humilité et surtout pour la grâce que le Seigneur Jésus-Christ a fait à notre frère pour accepter cet évangile. Gloire soit rendue au Seigneur Jésus-Christ, auteur de toutes choses, lui qui crée le vouloir et le faire, et qui a capacité notre frère Jacques-Philippe d'être présent avec nous ce jour. Béni soit le nom du Seigneur Jésus-Christ. Je vais ainsi laisser le déroulé des événements et des films pour que vous puissiez vous en apercevoir. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia, amen. Glorifions Jésus. Glorifions Jésus. Nous assistons en ce moment, nous voyons qu'il y a notre frère Jacques-Philippe qui est en attente. En revanche, l'envoyé, le docteur Odilon, il est déjà dans l'eau, en train de prier pour préparer justement ce service.
ce baptême va se dérouler, aura lieu donc à Champigny sur Marne. Parce que, comme l'a dit les Écritures, le baptême doit être fait par immersion. Donc l'eau qui doit couler, donc l'eau qui coule. Ainsi, le baptême aura lieu sur une branche de la Marne qui coule, conformément aux Écritures. Ainsi donc, le frère Jacques-Philippe est invité par le docteur Odilon de le rejoindre dans l'eau pour le service de baptême. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. Élevons les rois. Amen. Élevons les rois. Amen. Nous élevons les rois. Amen. Faisons qu'appliquer la parole au Dieu d'Israël. Élevons le Saint. Amen. Par ta parole, je te baptise ton fils. Que ça ne soit pas moi qui les baptise. Jésus. Alors je te baptise au nom de Jésus-Christ. Alléluia, amen. Alléluia, amen. 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 Alléluia, amen. 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 Amen, alléluia, amen. Amen, amen. Amen. Amen, alléluia, amen. Il fait partie des nôtres maintenant. Amen. Amen. Notre frère Jacques-Philippe fait partie des nôtres. C'est un saint. Il fait partie des saints de la Martinique. Amen. Gloire soit rendue au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que la gloire soit dans les cieux. Alléluia. Parce qu'il y a un fils qui est revenu, qui est entré dans la maison. Il est revenu dans la maison de son père, là où il a été depuis avant la fondation du monde. Gloire soit rendue au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Tu fais partie des nôtres maintenant. Amen. Gloire. Sois les bienvenus, mon frère. Merci. Il est dans le royaume, mon Seigneur. Amen. Comme tu avais accueilli Amen. Paul. Amen. Comme quand Ananias l'avait Amen. Baptisé, il a reçu le Saint-Esprit. Qu'il en soit Amen. De même pour notre bien-aimé Jacques-Philippe. Oh. Et que tu fasses des exploits avec lui, Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Oh, nous te remercions, Jésus-Christ. La joie est pour nous. Amen. Quand nous voyons que tu accomplis chaque parole qui est sortie de ta bouche. C'est un acte qui peut paraître banal pour le monde. Mais nous savons qu'elle est très significative.
C'est un acte significatif. Parce que nous quittons le monde d'Adam pour rentrer dans le monde du second Adam qui est Jésus-Christ. Oh, nous l'accueillons dans le royaume comme notre frère. Et nous savons que ce n'est pas nouveau. Car nous étions avec lui dans l'éternité avant que nous puissions nous retrouver sur cette terre. C'est pourquoi nous croyons que tu nous en enverras d'autres qui viendront encore de plus loin au Seigneur et qui nous rejoindront dans les royaumes. Quand il va retourner chez lui, Seigneur, qu'il soit une bénédiction pour sa femme, ses enfants, toute sa famille, ses frères et sœurs, une bénédiction pour toutes les personnes qu'il croisera désormais. Nous bénissons ton nom et te remercions, Jésus-Christ, parce que tu nous étonnes et tu nous étonneras toujours. Quand tu fais réaliser, Seigneur, tes promesses, quand tu fais réaliser, ô Dieu d'Israël, ton plan dans la vie de chaque élu de Dieu. Nous te bénissons pour ces merveilles, cette parole qu'est l'évangile éternel, que tu nous as promis pour ces temps de la fin, qui nous fait retourner dans les royaumes. Que l'honneur, la gloire, l'adoration te reviennent pour l'éternité, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Alors sois les bienvenus dans les royaumes. Amen. Nous t'accueillons Amen. Vraiment avec joie. Amen. Amen. Et nous croyons que tu es vraiment l'un de nous. Amen. Amen. Car hier, nous avons vu les animaux quitter la forêt. Parce que la forêt, c'est aussi les loin, les extrémités de la terre. Parce que Noé, à son époque, n'avait pas de téléphone, n'avait pas d'internet, il n'avait pas de la technologie d'aujourd'hui pour faire arriver sa voix des micros pour qu'on l'entende de loin. Mais Dieu, il avait pris la voix de Noé pour la faire arriver aux animaux. Et Jésus dit que son troupeau est constitué de brebis. Nous voyons une brebis du Seigneur qui vient confirmer cette parole. Car il a dit que mes brebis entendent ma voix. Ça, c'est merveilleux. Il n'a pas dit que mes brebis me verront, comme disent certains enseignements, que quand Noé bâtissait l'arche, il n'a pas prêché. C'est seulement l'arche qu'il avait présentée. C'est cet enseignement que nous déchirons. Au nom de Parce Jésus. Que les animaux dans la forêt n'ont pas vu l'arche. Mais ils ont entendu la voix de Noé. Et c'est ça qui confirme l'écriture qui dit que la foi ne vient pas par de ce que l'on voit. Mais la foi ne vient que de ce qu'on entend. Amen. Notre bien-aimé Jacques-Philippe, c'était un animal dans la forêt. Amen. Il a entendu la voix. Il a reconnu que c'est la voix de Jésus. Parce que quand on entend cette voix-là, elle vient vous déraciner. C'est pourquoi Lévi était à son travail. Il gardait l'argent de César. Mais quand la voix est venue, il a abandonné. Il n'a plus eu peur de César. C'est ça que nous expérimentons aujourd'hui. Amen. Quand tu entends la voix, tu vas tout abandonner. Amen. Le bien-aimé a laissé sa femme, ses enfants, son travail, ses affaires. Il est venu suivre la voix. Amen. Que Dieu le bénisse abondamment. Amen. Parce que ça, c'est un témoignage. Amen. Nous rappelons que c'est un pasteur. Il a baptisé des gens. Mais avant que lui-même vienne, il nous a envoyé ses fidèles. En leur disant que le baptême que je vous ai donné était un faux. Mais c'est maintenant que j'ai rencontré Dieu. Je n'étais qu'un serviteur du diable. Je vous avais maudit en vous prêchant. Mais maintenant j'ai rencontré Jésus. Allez vous faire baptiser à Paris-Montreuil. Ils sont venus. Et maintenant, lui-même, il est venu accomplir cette écriture. C'est pourquoi nous confirmons qu'il est Il est notre bien-aimé Nicodème. Amen.
Parce que Nicodème, quand il est venu auprès de Jésus, il a dit, tu sais, nous, parce que nous sommes nombreux, moi et eux qui sont restés, parce qu'ils n'ont pas le courage de venir comme moi. Nous savons que toi tu as dit. Vous comprenez? C'est-à-dire lui aussi avec tous les pasteurs qui font du bruit dans les groupes de prière, parce que ce ne sont pas des églises. Car toutes les églises qui ont un nom, c'est des synagogues de Satan. L'église des apôtres n'avait aucun nom. On l'identifiait par les villes dans lesquelles l'église se trouvait. Quand c'est à Jérusalem, c'est l'assemblée des saints de Jérusalem. Quand c'est à Corinthe, c'est l'église de Corinthe. Voilà pourquoi nous aussi, on est l'assemblée des saints de Montré. Parce que nous sommes dans la ville de Montré. Alors notre bien-aimé a compris cela, il est venu. Abandonna tous les autres qui ont des noms. Beaucoup de pasteurs dans ce monde. Et les honneurs. Il s'est humilié. Il est venu pour que nous les fassions baptiser. Maintenant, il est dans le royaume. Ce que Dieu fera de lui, nous, on ne sait. Nous ne sommes que des Ananias. Dieu nous a envoyés que pour les baptiser. La suite, c'est lui maintenant qui va faire maintenant son chemin avec le Seigneur. Et nous croyons qu'il va faire un long chemin avec le Seigneur. Notre prière est que, à la fin, nous soyons toujours ensemble. Car la Bible dit, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Nous croyons, quand nous voyons la foi de notre bien-aimé, que nous serons ensemble à la fin. Parce que quand Noé avait accueilli les lions qui a quitté la forêt pour venir dans l'arche, nous voyons que quand l'arche a atterri sur Ararat, les lions étaient là. Nous croyons aussi que avec notre bien-aimé, nous ferons toujours route ensemble jusque dans l'éternité. Amen. Que Dieu te bénisse. Nous t'accueillons vraiment dans le royaume. Sois le bienvenu. Merci, papa. Sois le bienvenu. Que Dieu vous bénisse tous. Vous qui nous suivez maintenant, sachez que si nous ne vous baptisons, vous irez en enfer. Quand nous disons nous ne parlons pas de l'homme. Nous parlons du ministère. C'est-à-dire que ce n'est qu'au travers de l'évangile éternel. L'évangile que Dieu a promis pour ces temps de la fin. Si tu n'as jamais écouté l'évangile éternel, tu iras en enfer. Si tu as été baptisé avant d'écouter ce que nous enseignons, ce baptême-là avant n'est pas un baptême. Parce qu'on doit d'abord écouter, ensuite manifester la foi qu'on a reçue par l'enseignement dans l'eau des baptêmes. Donc, si c'était un faux enseignement, c'est-à-dire que ton baptême aussi est faux. C'est pourquoi nous invitons tout le monde. Ceux qui nous écoutent par ces témoignages, je répète encore une fois que c'est le pasteur Jacques Philippe. Il vient des Antilles. De quelle ville? Sainte-Marie. Il vient de Sainte-Marie. Nous, on n'a jamais été là. Mais seulement la voix, notre voix, Dieu l'a amené jusque là-bas. Comme au temps de Noé. Comme il est le fils du royaume, il l'a entendu. Au temps de Noé. Et la voix l'a amené ici, à Paris, Montreuil, pour accomplir l'écriture. Nous répétons encore une fois. Il a ôté ses galons parce qu'il est pasteur. Il a baptisé aussi des gens. Mais aujourd'hui, il a compris que non. La seule voie du salut, c'est au travers de l'évangile éternel. La seule voie du salut, ici en Île-de-France, il n'y a qu'une seule assemblée de saints. C'est à Paris-Montreuil. Voilà pourquoi il est là. Ça, c'est ça le miracle. Le miracle, ce n'est pas de voiture, parce que tu mourras, tu laisseras de voiture. Le miracle, ce n'est pas la guérison corporelle, parce que ton corps pourrira dans la poussière. Le miracle, que c'est ton âme soit sauvée. Amen. C'est pourquoi Amen. Nous bénissons le Seigneur pour notre bien-aimé. Amen. Alors, vous aussi qui êtes restés, que tu sois pasteur, que tu sois fidèle, chrétien, sachez que sur ce que vous avez, Dieu a déjà ajouté. Car tout ce qui est naturel, toute la nature est en mouvement parce que Dieu est en train de marcher. Vous ne l'avez pas vu avec Meshach et Abednego. La Bible dit qu'il était en train de marcher. Il n'était pas statique. Nous pouvons dire combien de pas il a fait quand il a marché. Dans le feu. Venez à monter. Nous allons vous dire combien de pas. Et détailler les pourquoi de chaque pas. C'est ça la sagesse de Salomon que nous enseignons pour ce temps. Donc Jésus est en mouvement. C'est-à-dire que
La révélation est progressive. Yeah. Donc, sur ce que vous avez là, cette révélation-là, Jésus a déjà augmenté. Yeah. Venez à montrer, nous vous invitons pour recevoir la portion d'aujourd'hui. Yeah. Parce que si tu restes avec la manne d'hier, aujourd'hui elle doit pourrir. Yeah. Pourtant, elle est venue de la boulangerie de Dieu. Yeah. Mais elle pourrit parce qu'elle est d'hier. Yeah. Venez entrer dans un jour, yeah, comme notre bien-aimé. Yeah. En sortant de l'eau, il est entré dans un jour. Voilà pourquoi Jésus a dit à celui-là qu'aujourd'hui, tu seras. Tu seras parce qu'il n'était pas encore mort. Mais il le dit à notre bien-aimé, aujourd'hui, tu es. Il est. Il vient de rentrer dans aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est un jour. Dans ce jour-là, il n'y a pas de pourriture. Nous mangeons la viande avec le sang fraîche parce que nous sommes des aigles. Vous voyez, c'est un aigle celui-là. C'est un aigle. Il a compris qu'à montrer, il y a la viande fraîche que l'aigle tue lui-même. Pour s'assurer que non, ça c'est pas la nourriture de vautours. Il faut qu'il le tue lui-même. Oui. C'est pourquoi quand il est dans les airs, il doit voir même la souris au loin. Oui. Et ça, c'est un esprit de Dieu. Oui. L'esprit de l'aigle que Dieu nous a donné en ce temps de la fin. Oui. Nous avons l'esprit de l'aigle qui nous permet de pénétrer chaque écriture pour aller chercher la viande fraîche. Et nous voyons que l'aigle fait partie des quatre êtres vivants. Nous devons dire pourquoi il y a quatre êtres vivants. Et quand il y a quatre êtres vivants, il y a aussi cet esprit de... Nous allons rentrer dans l'enseignement. Nous ne donnons plus comme ça. Nous ne donnons plus gratuitement. Nous fermons là. Nous devons dire pourquoi il y a cet esprit de Dieu. Pourquoi il y a quatre êtres vivants. Et il y a un